Salut à tous, salut YouTube, bienvenue sur Total War Remaster, nous sommes à l'épisode 4. On va tenter de faire une sortie contre les DAS, même si ça promet d'être compliqué avec l'armée qu'ils ont, vu nos quelques forces. Donc voilà, on va essayer de faire le maximum et on verra ce que ça donne. C'est pas l'IA, t'as envoyé le diplomate pour prendre... T'as pas envoyé le diplomate pour prendre le fric à la Macédoine, voyons. Bah je l'ai envoyé sur une armée, c'est peut-être ça, tu me diras. Alors, ils sont où? Évidemment, ils sont de l'autre bout, sinon c'est pas drôle. Ah, attends, ils bougent. Sachant que nos archers ont une portée désastreuse. Je sais même pas si on pourrait les choper. Ah non, on pourra pas les choper du tout. Ils se mettent bien hors de portée maintenant. Hein. Avant, ils se le mettaient pas. Ok. On va essayer de se mettre près des tours pour les attirer. Évidemment, il recule encore. Alors ça va donner quoi le tir? Bon, c'est du tir dans le dos, tu me diras. Ou pas. Ouais, je sais. Ah, j'ai cru qu'il me tournait le dos. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts, on est d'accord, nos archers sont vraiment merdiques. Ça marche. D'accord, merci d'être passé à la prochaine. Je leur fais rien du tout, hein. Ah là, je sens que ma capitale va vite tomber. Je vais éviter de taper leur général parce que s'il me charge, il va m'anéantir. On n'a même pas fait 70 morts. Hein. Bon, on a fait 70 kills. Youpi. On va rentrer. Ça fera toujours 70 hommes de moins pour l'assaut final. C'est quand même un succès à retirer 60, leur dégager 60, combien non 75 hommes quand même, non 85, toujours ça de prix. Si on peut les travailler un peu, c'est toujours ça de prix, mais bon. Là c'est bizarre quand même que les Macédonais ils veulent pas la paix, là ça m'étonne. Par contre là je commence à renforcer mes autres cités. Oh attends. C'est risqué mais bon, est-ce qu'on peut tenter en deux tours on y est ou pas? Je vais tenter un truc. Seigneur. Allons-y.
Je vais tenter de les rejoindre en quelques tours. Ah, là, il y a un assassin qui va essayer de faire son boulot. Vous allez voir, il va réussir. Oh non, il fait un sabotage, on dirait. Oh putain, il est parti. Là, ça va commencer à être compliqué. Je sens que je vais pas la réussir cette campagne. Ah, ils se font plaisir, hein, dès qu'il y a une opportunité dans le dos. Ok. Seigneur, pressez-vous. Notre patience a des limites. Tu te fous de ma gueule, hein. Tout à l'heure, tu dis. Putain. Acceptez que nous attaquons. Vous ne nous faites pas peur. Ah bah non, là on vous fait pas peur, hein, bizarrement. Je suppose que c'est l'armée qu'on a. Ouais, c'est cette armée là. Ah putain. Ouais, non, mais c'est abusé, je trouve. Là, on les tenait tout à l'heure et là. Ah bah non. On vous prend la capitale, ah bah non. Je vais pas tenter de sortir là-bas, ils vont me démolir. Par contre, là, je vais refaire des troupes en renfort. Je vais retenter une autre sortie, écoutez. Hein. Si on peut les travailler un peu comme ça avant l'assaut, moi je vais le prendre. Hein. Ils vont aller où? Alors ça va donner quoi? Non, attaque là. C'est marrant, dès que tu leur tires dessus, ils se mettent tout de suite en face à toi pour éviter de prendre des pertes, c'est dingue. Attention, attention. Je suis sûr que leurs fantassins dénudés sont cachés. Qui sont tombés déjà. Allez, 72 de moins déjà. Bon, on en a arraché encore. 79. Si on peut les affaiblir comme ça, écoutez, on va le prendre, hein. Je sens que la campagne, on est un peu mal barré là. Les Parthes, ils sont en train de nous rouler dans le dos. Là, on a les Das qui nous ont fait un coup de Trafalgar. À moins que cette armée arrive et puisse faire quelque chose, mais j'y crois moyen. J'ai encore des réparations à faire à Thessalonique. Je vais détruire.
temple d'Arte. Ah, quoique, attends. J'ai reformé tous mes archers. Je vais faire deux archers montés ici, tiens. Pour voir un peu ce que ça donne. Ah, ils se replient, les Parthes. Étonnant. Alors, que font les Daces? Ok, donc pour le moment, ils ne font rien. Alors, ce que je vais tenter de faire... J'ai déjà regroupé tous mes archers, là. Toi... Je vais te recruter, tu vas venir, tu vas rester en garnison. Il me reste combien d'hommes là? Ça me fait 15 unités. Un onagre, pourquoi pas. Et là mon armée au prochain tour. Admettons, je tente ma sortie. Ah, là, ça deviendrait plus intéressant. On aura en plus un cavalier. On aurait 3 arches, 6 archers montés. Ok, on va tenter un truc. Et toi... Toi, je vais te ramener là. Et je vais réformer les troupes, bien sûr. Et je vais faire des cavaliers... Allez, là, l'armée part, je sais pas pourquoi, mais... Bref. Merde, j'ai passé le tour, j'aurais pas dû... Oh putain, là, je vais douiller. Ok. Alors... Ah, ils se sont barrés. Bon. Pourquoi pas, après tout, hein. Il se passe de drôles de trucs, j'ai pas bien compris, mais bon. Ça va me faire 6 unités. Comme ça, il me reste encore 2. Ok, maintenant on va commencer à dire 2 mots aux Das là. Ça commence à bien faire tout ça. On pourra pas les avoir, c'est ça. Vous allez rentrer à vitesse grand V au campus Sarmatae. Il y a un truc que j'ai... Ah, toi tu me proposes des trucs. Je te propose même des informations géographiques. Mais je t'ai demandé de dégager l'alliance. Droit de commerce, info géo. Une proposition des plus généreuses. Ah putain, il va pas me lâcher, hein. Et pourtant ils disent que c'est équivalent, mais on connaît les trucs. Ah putain. Ah, j'aurais pu faire une bataille de nuit si j'avais attaqué. Bon. Alors, on a perdu beaucoup de troupes, mais on va rentrer au campus et on va se refaire. J'aurais dû attaquer, là, j'ai fait le con. On va tenter un truc.
Putain, ils ont rien perdu, c'est ouf quoi. Ils ont rien perdu. Ah, l'Arménie n'existe plus, ok. Là, on va baisser. Par contre, le temple, j'avais demandé de... Je l'avais pas encore détruit, ok. On va faire... Ouais, je sais, mais bon. Là, c'est voulu. Comme ça, je vais pouvoir me reformer. Je vais pouvoir faire une sortie derrière. Hop, je vais faire une tour. Oh, on peut s'avancer. Oh, ok. Ah, il y a une baliste là. Leur capitale pour Osilum. On pourrait faire très mal si on la fait tomber. Ça fait qu'il nous reste combien de cités encore? On en a 10. Il nous en faudra encore 5. Là, j'ai tout de suite refaire mes troupes. Donc, par là, c'est bon. Et là, s'ils tentent une attaque, là, les DAS, ça va pas être joli à voir, à mon avis. Réfléchissez longuement. Non. Au revoir. On sait qu'on a l'ascendant sur eux, là. Ok, les partis, ils vont se pointer. Ils ont plus que 12 unités, là, dans le tas. Et là, en vrai, il y a un coup à faire. Ils ont quoi derrière? Ils ont un général, ils ont deux caves, ils ont de la cave, ok. Ils ont des détachements d'archers d'élite. Ah, ils ont des molosses. On va tenter de prendre la capitale. En vrai, si je prends leur capitale là au Dast, ça va commencer à les faire un peu paniquer, on va dire. Parce que derrière, je peux prendre 2-3 de leur ville en mettant des mercenaires par-ci, par-là, et en m'occupant des populations. Bon, déjà vous deux. Où est la baliste? Allez là, vite. Voilà, là la balise ça va être réglé. Rien, pas un seul de nos guerriers le ferait comme il le fait. L'armée ennemie s'enfuit. Pourchassez-les. Vous avez tué le général ennemi. La peur est dans leur camp. Ils risquent fort de lâcher prise. À l'attaque. Déjà la balise en moins, c'est toujours ça de prix. Certains diront que c'était une cible facile, ce qui est pas faux, hein. Je vais regarder un peu les archécites. Oh, ils sont en armure. Tu sais quoi, on va tenter un truc. Ah, ils vont me charger, ils vont me charger. Ah, c'est bien. Là, ils vont commencer à manger. C'est quoi ça? Détachement d'archers. Oh là là, mais quelle idée de laisser ces cavaliers en plein milieu du terrain quoi. En vrai, tu pourrais tenter une charge au centre là, mais je vais éviter. On recule les archers là. Il y a quoi là qui arrive? D'autres archers, très bien. On va aller les cueillir. C'est quoi qui m'attaque là? Ah tu...
Ah vraiment, tu me charges avec tes propres archers. Bon bah très bien. On va reculer là. Oh là là, les chiens sont complètement brisés, c'est bien. Là, le fait que l'armée est divisée en deux, c'est bien. Allez, hop, bisous. Là, on les a mis en déroute, là aussi. Ok, on s'en sort bien, là. Ouais, ouais, la réseau auto, c'est clairement ça, Tom Tom. Alors par contre là je vais avoir un petit problème, je vais essayer de... Ah je peux pas disperser. Je vais poser le siège en attendant. Quand je sais pas où est partie l'autre leur armée. Hein. Là on a combien d'unités? On a 11, on va être à 12 bientôt. Je peux recruter du Mercos ou pas, Sarmatei? Je pourrais recruter Starchet monté. Bataille de nuit, normalement je dois gagner. C'est une plaisir. Bon, ok, le jeu me dit merde. Très bien. Et là, on peut vraiment le dire, mais c'est du n'importe quoi. Mais à mon avis, je pense que c'est les cataphractes hein, qui sont horribles à gérer. Bon, nous on va se soigner pour le moment. Admettons, je ramenais un archer en renfort. Il faudra 2-3 tours, c'est ça, ok. Que veut le Séleucide? Cher ami, t'es en guerre avec l'Égypte et le Parthe. Ok, je veux bien. Si tu me files tes infos et je te demande un paiement de 2000. Cela ne nous est pas lucratif. Ok. Je te demande un paiement de 500, admettons. Allez, 1000. Non, il voudra pas. Allez, on va être sympa, on va couper la poire à 750. Seriez-vous prêt à envisager? Une proposition. Bon, on va prendre ça, écoute, c'est toujours ça de prix. L'armée d'As, elle revient, attention. Après, c'est leur armée principale, là. Ils ont que 15 unités. Cette unité-là, je vais la ramener à Bilazora. L'archer va vite revenir. Ah bah, j'aurais pu recruter un Mercos. On va recruter un Mercos, tu sais quoi? On va faire un bélier tout de suite. Alors j'ai un agent là, non. Le problème c'est qu'il y a deux généraux, moi j'en ai qu'un. Ok. Bon lui on va le dégager. Je vais pouvoir le reformer ce cavalier. 4, 8, 9, un dixième archer ça serait, et un autre cavalier de mêlée, ce serait pas de refus. Est-ce que je peux faire un... J'ai un cavalier ici, ouais. Athanaïs, je vais me renforcer parce que je sens qu'il va arriver une mauvaise surprise. Je vais renforcer la ville. À Chernesos, on peut toujours rien faire. Si, on va améliorer la ville aussi. Je vais faire un forgeron là-bas.
Oh, les Germains, ça va être les prochains qui vont nous emmerder. Les Germains vont vouloir se pointer, effectivement. Et c'est pas une petite armée en plus. Je vais faire des archers à cheval et ça. Et je pense que je vais recruter tous les mercenaires du coin. Au moins, on aura de la défense. Donc, il nous faut encore 5 villes. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah non, pas maintenant, les brutilles. Ils sont ennemis avec qui, là? Ils sont alliés aux Macédoniens, eux. Cela ne nous est pas lucratif. Oh là 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 là. Et là, j'ai aucun Mercos. Oh putain, je l'ai dans le cul, là. On va essayer de former quelques archers ici. On peut le reformer, lui, ou pas? Tout pile, ouais. Hop, c'est une capitale. Bon, pour le moment, on va laisser comme ça. Ah, saloperie. Ah, il joue bien le coup, l'IA, là. La moindre faiblesse, il te tombe dessus. On va partir avec cette armée. On va essayer de jauger un peu les défenses ici. Bon, là-bas, on a quand même une bonne garnison. Même si c'est que du Mercos. Enfin, Rome Bruti, surtout. Tu me demandes de devenir un protectorat. Ah, il s'est passé un combat, j'ai pas vu. Ah, ils ont des unités de cochons. Hein. Ils ont. Oh là là, ils ont toutes des unités dégueulasses. Et je suis même pas sûr avec cette armée ça suffise. Campus Yazig. Comme ça, au prochain tour, on va le tenter de le tomber. Si là, je tente une attaque, là, admettons. Hop, parfait. Putain. Ils font chier ces abrutis là. Ouais, j'ai fait la blague, je sais. Tu sais quoi, j'ai tenté une sortie pour les affaiblir. Et je veux juste voir les murs que j'ai avant. Attends une seconde, j'ai quoi comme mur? C'est des murs niveau 3. Après j'ai un onagre. Bon allez on y va, on va tenter le coup. 15 heures tu es pauvre, dit Ragred.
Bon, on va voir. Ok. Alors c'est quoi qu'ils ont ? Comme par hasard, j'attaque cette unité, il change de position. Attention, ils ont du... Tu peux pas tirer au-dessus, t'es en train de me dire, c'est ça? Mon but, ça va être de sniper leur balise déjà. Ils vont se battre jusqu'au bout, c'est ça? Je pense qu'il fallait plutôt se concentrer sur les Daces que les Macédoniens, vu que les Brutis sont dans le coin. Ouais, mais bon, après c'est eux qui m'ont emmerdé. Hein. Après, si je repousse les Brutis, c'est pas plutôt une mauvaise chose. Hein. Là, j'ai tenté une grosse charge. Là, on a déjà snipé les 10% de leurs troupes. Hein. Je sais pas si on peut passer là. Et on peut passer peut-être la porte. Hein. Ouf. Déjà, l'unité là s'est faite anéantir. On va vite se replier. Attention, attention au pylône. En plus, maintenant, tu as aussi les autres factions romaines. Ouais, mais elles sont encore loin pour le moment, les autres factions. Bon, là, je suis content. On a snipé la baliste. Attention, on va reculer. Waouh, waouh, waouh. Il y a tous les chiens qui me courent après. Bon, il y a déjà 20% de leur armée. Bah si, c'est une mauvaise chose qu'on pourrait dire, car faudrait financer le reste de la défense dans le coin. Bon, par contre, si les chiens ils viennent, ils meurent à la porte, ça serait beau quoi. Par contre, la porte... Ah, faudrait la fermer quand même. Ah, du tout tout grillé, c'est beau ça. Putain, mon onag, il manque pas grand chose, je suis sûr. Alors, est-ce qu'ils vont toucher mes propres murs ou pas, qu'on rigole? Non.
Et les chiens là, hop, ils sont toujours buggés. Mais je peux faire le tour. Alors, est-ce que les chiens vont se débloquer? Non, ouais, ils sont toujours là-bas, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il va tenter? Qu'est-ce qu'on a de beau? C'est quoi ça qui arrive? Attention! Vas-y, viens là, toi. Là, ça commence à picoter un peu pour eux. Bon, ils ont déjà perdu un quart de leur armée ici, c'est très bien. Là, c'est de la garde civile, donc là, ça devrait craquer. C'est de la chair à canon. Oh là, là, espagnol, ils se font arroser, c'est bien. Eh, on a éliminé un tiers de leur armée, c'est plutôt une bonne sortie, on va dire. On va rentrer. Non, 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 pas par là. Passer par cette porte. Ça, c'est con qu'on peut pas faire sortir nos onagres. Hein. On a perdu 4 hommes, mais on en a éliminé 280. Dont une baliste. Donc là, ils pourront pas prendre les murs facilement. Parfait. Par contre, est-ce que je pourrais ramener deux renforts là? Et ils me disent que je perde, hein. Si je la fais, ils vont me défoncer. Il y a ces trois autres unités derrière. Je sais que les Romains, ils sont au-dessus un peu du lot, mais quand même, quoi. Bon, là, c'est fait. Ok, ils tentent l'assaut. Le général, c'est un... C'est de Vélitesse. Le général, c'est de Vélitesse. On a nos catapultes là. On a nos catapultes. Donc si on joue bien le coup, on pourrait faire très mal. Et là, on va tenter une sortie. On va faire au mieux. Les renforts sont arrivés. Impatient d'en découdre avec l'ennemi. Alors, où sont nos renforts? Oh putain, ils sont loin. Léoplite, rendez-vous tout de suite là-bas. Nous, on va essayer d'utiliser nos renforts ici pour aller embêter le monde. Ah, en plus, leur tour, elle nous tire dessus, évidemment. J'avoue, je m'en souviens de ça.
Ils ont tout ça comme molosse encore. Ok, là ça va être plus compliqué, ils ont trop de astati, à moins que... Bon, il y a une dizaine d'hommes qui est tombé déjà. Ah, le général il se pointe là. Oh, je suis dégoûté, mes onags ils font rien. Hein. Là, ce qui est bien, c'est que la plupart de leurs unités elles sont en train de mourir. Là, on va essayer de faire un carnage sur leur Velites. Bon, là, ils vont réussir à monter, malheureusement, mais bon. Ouf. Oh, le général ennemi, j'ai en déroute. On va tenter une charge ici. Vous reculez. Oh, les chiens, ils débarquent. Attention. L'ennemi est au mur. Surveillez la deuxième ligne de défense. Il pourrait passer. Oh, le bélier, là, c'est bien joué, ça. On vient de sauver un truc. Rock'n'roll. Là, il y a les toutous. C'est bien. Oh putain, attention, d'autres toutous là-bas. Oh la vache, ce qu'on est en train de leur mettre. Regarde Théoplide. Ah, ils sont un peu loin, c'est vrai. Oui, mon général, d'ailleurs, il est là, c'est bon. Le chef ennemi montre ce qu'il vaut. Rien. Pas un seul de nos guerriers ne pleurait comme il le fait. Par contre, ce qui est rigolo, là, c'est que leur toutou me poursuivre, mais bon. Attention, général, qui meurt pas d'un coup bête. Alors là, on a quoi? Putain, et tous ces chiens qui me courent après, waouh. Bon, à un moment là, il faudrait peut-être mourir, capitaine. Hein. Ouais, ça faudrait peut-être se manier, les mecs. Hein. À un moment là, le général va canner ou ça se passe comment? Ah, quand même. C'est quoi ça? Oh putain, les Astati là. Bon là c'est bien, c'est bien. Nos Peltas ils tiennent bon, mais... Funeste nouvelle, l'ennemi s'est emparé de nos fortifications. Le chef de nos alliés est mort, tué par l'ennemi. Bon, ça c'est fait, plus dur est fait là-dedans. Allez. Oh, la tour, elle vient de tomber. Ça, c'est bien, ça. Allez, faut mourir à un moment. Allez, hop. Les ennemis fuient le champ de bataille comme un troupeau de... La victoire et la récompense. Ouf. Ah, ça a été dur, hein. Elle aurait été dure celle-là. Ah, il y a une autre armée qui se pointe, ok. Et en plus il y a les Macédoniens. Oh bah, il y a tout. Là ça va être la fête. Toi. Aux ordres. En marche.
Alors là, il y a du peuple. Il n'y a pas un Mercoso dans le coin. Ok. Il y a quoi là-dedans? Ah putain, des hurleuses et des troupes là. Ok. Et une autre armée qui pointe le bout de son nez, j'ai vu. Non, le plein roue pour le moment, j'estime que c'est pas nécessaire. Je vais essayer quand même, mais... Les parts là, j'ai commencé à renforcer juste mes frontières. Là, mon but, j'ai fait mon calcul. Je suis à 11 colonies. Donc là, je vais continuer d'enforcer mes villes au fur et à mesure. Ah si, j'ai les finances, tu rigoles. Mon but là, ça va être de me défendre et ensuite contre-attaquer sur des Germains. Là, je vais commencer à faire tomber le DAS. Il va plus lui rester grand-chose à un moment. Il se bat encore, se lâche. À Chernesou, j'ai commencé à renforcer un peu aussi parce que j'ai peur d'une mauvaise surprise. Là, il me faut encore 4 colonies Kenro. Si je calcule bien mon coup, j'en aurai une là, 2, 3, et si j'ai un peu de chance là-bas dans le nord où je continue de pousser au sud dans la Grèce. Par contre, là, je vais peut-être faire d'autres troupes. Il n'y a pas d'autres Mercos qui traîneraient. Ah bah si, quand même. Parfait. Là on aura du Merco sans masse. Ah putain, maintenant c'est les Macédoniens qui veulent s'y mettre, bah bien sûr. Ouais, il me faut... Ils ont trois armées, par contre les autres ils s'attaquent pas entre eux bizarrement. Allez, vas-y, maintenant les partent. Ok. Qu'est-ce que tu veux toi? Puissions-nous parler de manière raisonnable? Non, 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 c'était ma deuxième cible, toi. Vas-y, viens là, toi. Là, ça m'arrange qu'il m'attaque. Comme j'ai beaucoup d'archers montés. Très bien. Bon, déjà. Hop. Ok, on va faire d'autres archécites. 12. Donc il nous reste encore 3 colonies à aller chercher. Là par contre ça va être une grosse erreur que j'ai faite. J'ai pas un général qui traîne là-bas, non. J'ai pas un gouverneur ici. J'en ai un, tu me diras. Toi, tu vas revenir là. Je vais te refaire une tour tout de suite. Là, il va mettre du temps, mais bon. Je vais attendre un peu avant d'assiéger là. Là, j'ai tenté une sortie. Je pense que je peux dégager cette armée. Ah, c'est l'héritier de faction en plus. Et il est bien amouché. La bataille de nuit. Il a plus beaucoup d'unités. Donc, je vais tenter déjà de dégager les DAS d'ici. Donc les Macédoniens, ça va être un autre morceau. Même s'ils ont beaucoup, beaucoup de... Comment ça s'appelle? Ils ont peut-être beaucoup de piquets ou je sais pas quoi, mais là, ça va être un autre problème. Attendez mes ordres.
Déjà, j'ai pas mal d'archers montés. Je me dis que c'est pour ça que j'ai mes chances là. Déjà, hop, on fait ça. On va harceler nos adversaires. Oh, eh. Je vais revérifier que Tom, je me méfie avec l'IA. Ils ont dit... Oh, ils perdent beaucoup de troupes là. Visez-moi les fanatiques là. Oh, oh. Oh, en plus c'est bien. C'est bien. Là on va commencer à me faire mal là. Coucou. Allez, bientôt 20% de leur armée qui va être détruite. C'est bien, on leur a fait 220, plus de 270 kills, c'est bien. Allez. Ça commence à se rééquilibrer, on va dire. Oh, oh punaise. Il me reste encore un archer avec des munitions, je l'ai laissé en arrière. Unité 70%, il reste, hein. C'est quoi ça? 66%, c'est très très bien ça. Il se calme un peu comme ça. On leur a fait combien? 460 morts, j'ai l'impression, c'est très très bien. On va continuer, hein. Oh, en plus, on va abattre leur cavalier dans le dos. Les grignotes, ça c'est bien. Non, 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 malheureux, non, non, non. Bon, c'est bien, il y en a déjà deux qui ont plus de munitions. Alors, ceux qui ont plus de munitions, vous allez repartir là-dedans. Toi, tu vas revenir. Alors, je mets tous mes archers avec munitions d'un côté. On n'a quasiment pas pris de pertes, mais on les a, mis en de ces déroutes. Allez, si on réduit leur armée de moitié, là, ça serait déjà très bien. Oulala, attention.
Après, s'ils envoient leur général dans la tombe, moi ça m'arrange. Hein. Ouais, c'est bien. On va faire un petit volte-face, on va le harasser maintenant. Allez. Il y a encore cette cavalerie barbare là à dégager. Hein. Allez, la moitié de l'armée est quasiment dégagée. Oh là là, là la cavalerie est en train de bouffer ici. Si on arrive à les réduire sur les 600, ça serait cool. Alors, cavalerie légère, elle a bien mangé. Regardez-moi ce tapis de cadavre, quoi. Bon, lui, il est déjà cuit, c'est fait. Ça fait encore une unité de moins. Reculez, reculez. Ouais, c'est pas mal tout ça. Ils vont se sentir cons à un moment. Je pense que si je les affaiblis bien, je pense qu'à un moment ils vont lever le siège et derrière je pourrais les détruire. Ah, ils sont plus que 5, moins de 500 là. Enfin, 534 là. On va reculer. Je sais que c'est pas forcément intéressant à regarder, mais si vous voulez détruire une armée, bah, vous avez une solution. Allez. Allez, peut-être qu'on va arriver sous la barre des 500. Ouais, on y est. Ouais, là ils ont bien mangé là.
sais quoi, on va se replier, on va retourner dans la ville. Au prochain tour, on les désingue. Ils n'auront pas la puissance pour nous assiéger, je pense, de ce que je vois. Ils ont perdu 900 hommes, j'aurais pu tirer avec mes archers, mais j'ai pas voulu prendre de risque parce que vu comment ils chargeaient à chaque fois, c'était un peu délicat. Et on va vérifier ta théorie, Tom-Tom. J'avais l'impression qu'ils s'assiègent encore. Hein. Bon, là, regardez, ils ont plus que 6 unités. Ah non, t'as raison, ils assiègent plus. Je sais pas si c'est lié à un bug, mais bon. Tu sais quoi, on va en profiter, on va bourrer d'archers montés lourds. Et là-bas, on va rebourrer aussi des haches. Bon, lui, on va le dégager. Rentre chez toi, merci. Là, on peut encore reformer des trucs. Ok, bon, bah c'est pas mal. Par contre, la sortie là, si je tente une sortie contre les partes, ça va être compliqué à mon avis. Ah, ils ont encore pas mal d'archers montés. Nos archers feront pas le point. Donc là, je vais essayer de me pointer. Au pire, ils tentent de rentrer dans la ville, admettons. Mais je pourrais peut-être tenter une petite contre-attaque, mais... Elle est où, ma ville? Déjà, je sais même plus. J'ai peur de pas avoir assez de force en faisant ça. Enfin, bon. Donc là, on est plutôt pas mal. Sinon, l'armée n'avait pas la portée pour le siège. Ah, bah... On a peut-être l'explication. Et là, je vais faire un cavalier site noble. Ça peut avoir son utilité. Et au prochain tour, bah, je pense que on va aller chercher un Quincum, qui est, je pense, l'une des dernières villes d'As. Et ça va nous faire combien de colonies? Si on les tient, ça ferait peut-être 13. Il faudra prier qu'on tienne la colonie contre les Parthes. Et là, on va voir contre les hurleuses... Germaine, on verra ce que ça donne. Enfin bon, on se dit à la prochaine YouTube. On verra ce que ça donne pour la fin de cette campagne. Des bisous, ciao ciao.